Et vous allez aller au marché pour chercher la canne à sucre. Vous allez couper la canne à sucre en tout petits morceaux. Et vous allez chercher le sucre roux. Vous allez chauffer d'abord la marmite. Vous savez, les filles, si vous n'avez pas de problème, vous pouvez vous-même résoudre vos problèmes. Mais parfois, vos problèmes vous dépassent, que vous-même, vous n'arrivez pas à résoudre. Quand tu es une jeune fille, si tu n'as pas de secret, tu vas perdre ton temps dans cette vie. Les hommes vont jouer avec toi là comme ça. Jusqu'à arriver un moment, tu vas te demander si ce n'est pas quelqu'un qui est derrière toi. Si tu es un homme, si tu n'as pas de femme et que tu prends de l'âge, les femmes commencent à avoir peur de toi, mon frère. Il faut que vous ayez des secrets. Tu vas mettre la casserole là au feu. Tu vas mettre le sucre là à feu doux. Coupe la canne à sucre là petit, 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 petit. Et tu vas te houssou avec ça. Tu vas chauffer ça bien. Et quand tu vas commencer à chauffer, le sucre va commencer à fondre. Quand le sucre est fondu, il y a une sorte de fumée qui commence à sortir. Tu vas chercher une serviette neuve ou une chaise. Tu deviens aigre jusqu'à les hommes même, ils te trouvent même bizarre. Tu vois que les hommes ne sont plus intéressés comme ils devaient être intéressés. Tu vois aussi les femmes, elles ne sont plus intéressées. Il n'y a rien de mystérieux dedans. C'est simple comme de l'eau à boire. Parce que, en réalité, vous devez profiter de ces choses, mais vous ne cherchez pas. Ou vous cherchez même vous fatigue. Et puis tu enlèves. La vapeur là va monter sur toi. Ce jour-là, vous vous levez très tôt le matin, vous vous lavez bien. Lavez-vous déjà, parce que quand vous allez faire ça, vous n'allez plus vous laver. On fait ça une fois dans la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on répète plusieurs fois. Donc, tu prends le pagne là, ou la couverture, tu mets comme ça, et puis tu prends la couverture, tu remets comme ça, une fois, et puis tu enlèves. Donc ça, trois fois. Quand tu as fait ça, c'est bon. Va enlever ce qui est dans la casserole, mets l'eau dedans, et puis c'est bon. Un homme peut faire ça quatre fois. Donc tu prends la casserole quand c'est chaud, et que tu vois que tu as mis le sucre, et puis maintenant ça commence à chauffer. Voilà, la vapeur là va commencer à se lever. Voilà, une sorte de fumée comme ça. Donc, tu prends la casserole, tu mets, mettez la serviette, bien, faites attention. C'est pas pressé. Souvent, quand vous faites les astuces, là, vous êtes pressé. Et puis, vous êtes pressé aussi des résultats. Comme si, quand vous-même, vous êtes né là, vous ne voyez pas comment vous progressez dans la vie. Est-ce qu'on naît là? Dès que tu nais, tu as la barbe, tu as tout en même temps, tu as une femme, tu as tout. Non, les choses se font progressivement dans notre vie. C'est comme ça les astuces. On ne peut pas faire astuce aujourd'hui et puis même jour là, le lendemain, vous attendez les résultats comme si vous devez avoir des résultats. Non, ce n'est pas comme ça. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour le résultat peut être dans 6 mois. Ou vous avez même oublié là. Les résultats peuvent venir dans 4 mois pour les hommes, dans 6 mois pour les femmes ou dans 3 mois pour les femmes. C'est comme ça. Hé, mon frère, mais la vapeur la monte comme ça. Tu prends la couverture là, tu fais comme ça. Voilà, faut pas fermer toute la marmite, non. La vapeur là va monter. Tu vas voir même que la fumée là va venir vers toi. La fumée du sucre et puis du canne à sucre. Puis ça monte. Quand ça monte comme ça, tu enlèves. Tu attends un peu. La vapeur là, quand tu vois que la vapeur là se baisse, tu fais comme ça 4 fois. C'est bon. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est bon. Quand tu as fini ça, maintenant tu prends, tu vas jeter. Et c'est fabuleux, n'est-ce pas? Voilà. Si vous-même, les gens n'ont pas mis des choses bizarres dans votre vie,
comme vous-même, vous ne vous levez pas pour chercher des choses qui sont de votre propre date de naissance, ou vous ne cherchez pas les 12 plantes de l'année, vous-même, vous ne cherchez pas. Les petites astuces comme ça, là, ça peut vous aider jusqu'à... Et ça serait en continu comme ça dans votre vie. Parce que vous ne faites pas d'efforts. Si vous ne faites rien, rien ne va changer. Si vous ne cherchez pas, il n'y a rien qui va venir devant votre porte. Parce qu'on a tendance à attendre que ce soit les autres qui viennent changer notre vie. On a tendance à attendre que les choses viennent tout prêt, tout cuit. L'argent vient devant ta porte, le mariage vient devant ta porte, les hommes te courent après. Mais ma chérie, regarde, regarde comment le monde progresse. Regarde depuis ton évolution, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Regarde comment tu avances. Hein? Il faut que les choses soient fabuleuses pour vous. Il faut que votre vie soit fabuleuse. Il faut que vous soyez doux, sucré devant les hommes. Il faut que vous soyez intéressant devant les hommes. Cherchez des secrets, ça va vous aider. Cherchez des opportunités, ça va vous aider. Levez-vous pour votre vie, pour que les choses soient doux dans votre vie. Pour que votre amitié soit bonne. Pour que les gens profitent de cette douceur dans votre vie. Des amis, Dieu a mis tout à côté de vous. Dieu a mis tout à côté de vous. Cette vidéo vous a plu ?